Nicolas Poussin, dont nous avons déjà parlé dans des séances précédentes, d'origine française, mais romain d'adoption et de culture visuelle également italien, est appelé, je vous le disais tout à l'heure, à Paris par Louis XIII en 1640. Les quelques œuvres qu'il réalise durant ce séjour marquent durablement l'art français à travers une grande rigueur expressive, mais aussi, comme chez Champagne, un souci de demeurer fidèle aux sources. Et c'est un séjour qui s'achève en 1642. Je vous le disais notamment, donc il ne reste pas longtemps en France, s'achève notamment en raison des cabales dont il a été victime par ses principaux concurrents et en particulier de Simon Vouet. Mais même après son retour, le retour de Poussin à Rome, il va continuer à recevoir de nombreuses commandes de françaises. Alors, citons ses œuvres réalisées pendant son séjour parisien. Je vous montrais déjà tout à l'heure cette institution de l'Eucharistie qui a été peinte pour la chapelle royale au château de Saint-Germain-en-Laye et une autre œuvre réalisée en 1641. Qui est le miracle de Saint François Xavier, le saint qui ici rappelle à la vie la fille d'un habitant du Japon. Et c'est un tableau qui avait été peint pour le maître-autel de la chapelle du noviciat des Jésuites au faubourg Saint-Germain à Paris, dont vous avez ici une gravure en haut à droite. Alors, l'esthétique de Poussin, qu'il avait développée à Rome à la même époque, suscite évidemment l'admiration de peintres qui, à l'instar de Philippe de Champaigne, vont privilégier des valeurs formelles similaires, que sont la réduction des ornements au strict minimum, des efforts portés sur la simplification de la composition, un refus des effets inutiles, de tout effet inutile, une valorisation de modèles antiques et une utilisation raisonnée et rigoureuse des différentes sources de lumière à des fins visuelles. Et tout ça dans le but de faciliter la compréhension de la narration en organisant autour d'elle les différentes figures. Vous avez un grand souci de la lisibilité des compositions. Et pourtant, d'autres artistes vont aussi, tout le monde ne va pas adhérer à l'esthétique amenée par Poussin, on va voir aussi des artistes qui vont ménager des résistances à cette esthétique. Et donc, je parlais à présent des peintres français qui ont été marqués par l'esthétique de Poussin, notamment Laurent de la Hire, qui a fait partie des 12 peintres, des 12 anciens de l'Académie royale de peinture et de sculpture dont je parlais tout à l'heure, qui va réaliser dans cette esthétique ici un enlèvement d'Europe daté de 1644. Et quelques années plus tard, il va réaliser un décor pour une pièce de l'hôtel de Gédéon Talmant. C'est un hôtel particulier dans le Marais. Et ce décor était composé de 7 toiles qui représentaient les arts libéraux. Et ici, en haut à gauche, vous avez l'allégorie de l'astronomie. Et en bas à droite de la musique, donc figures pour lesquelles il intègre des éléments de perspective et d'architecture de manière très, très, très subtile. Donc il a ce même goût et ces mêmes références pour l'antique que Titien, pardon, que Poussin. Eustache Le Sueur, à présent, est un ancien élève de Simon Vouet.
qui, lui, n'est jamais allé à Rome, mais s'est progressivement écarté du colorisme de son maître pour se rapprocher plutôt d'une manière à l'antique de Poussin. Ici, je peux vous montrer à l'écran l'enlèvement des Sabines qu'on a déjà vu dans une séance précédente par Poussin. Mais aussi pour une simplicité gracieuse, donc ici je parle d'Eustache le Sieur, qui va avoir un intérêt pour une simplicité gracieuse. Et il s'intéresse aux compositions notamment de Raphaël, dont il veut se présenter comme le continuateur français. Et ici, évidemment, on ne peut que rapprocher cette toile figurant la prédication de Saint Paul à Éphèse, réalisée par Eustache le Sueur en 1649, de l'école d'Athènes de Raphaël, figuré ici à droite. Alors, Eustache le Sueur montre un attachement, un intérêt pour la clarté de la composition, simplicité formelle, à la manière des tableaux de Poussin, réalise donc ce tableau, cette prédication pour après sa nomination pour Notre-Dame, après la nomination de Le Sueur comme peintre ordinaire du roi. Et ce tableau est principalement construit sur trois qualités que sont l'affirmation d'une construction perspective extrêmement rigoureuse, hein, avec la présence de ces architectures à l'antique, le refus de la sécheresse de Poussin et de Champagne. Et si on compare à d'autres tableaux de Philippe de Champagne, comme ici, et l'affirmation d'une simplicité qui cherche moins la sévérité de Poussin, mais plutôt un charme gracieux, sans affectation, qui fait référence, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'art de Raphaël. Ici, un autre peintre français, Nicolas Loire, qui est né dans une famille d'orfèvres et qui séjourne en Italie de 1647 à 1649. Et c'est durant ce séjour qu'il découvre les œuvres de Nicolas Poussin. Et on sait d'ailleurs qu'il a réalisé plusieurs copies des œuvres de Poussin. Il rentre en France en 1650 et il devient membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1663. Alors ici, dans ce tableau représentant le mariage de la Vierge peint une dizaine d'années après son retour en France, on retrouve l'isocéphalie des... Alors, je vous présente ici un tableau pour vous montrer cette reprise ces têtes figurées sur un même niveau. En bas à droite, il s'agit d'un tableau de Nicolas Poussin représentant le mariage. Et pour finir cette séance, dans les quelques minutes qu'il me reste, je vais vous présenter un grand décor réalisé par le directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture et premier peintre du roi dont je parle et je fais référence depuis tout à l'heure. J'ai déjà évoqué son nom à plusieurs reprises. Il s'agit de Charles Lebrun, qui, je le disais tout à l'heure, dans le cadre des conférences de l'Académie dont il était le directeur, faisait référence à l'exemple qu'il fallait prendre de Nicolas Poussin. Alors, il s'agit ici d'un décor pour Versailles, le passage du Rhin. Alors, mais revenons un peu sur la vie de Charles Lebrun, qui naît dans une famille dont plusieurs membres officient dans la famille du chancelier Séguier, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez ici à l'écran un portrait du chancelier Séguier par Lebrun, et ce chancelier qui va devenir qui va lui commander des œuvres et lui apporter son soutien, surtout. C'était donc à cette occasion que Séguier va découvrir les talents de Lebrun
alors qu'il était dans l'atelier du peintre François Perrier, vers 1631. Et Séguier va recommander Lebrun auprès de Simon Vouet, dont on parlait tout à l'heure. Mais Lebrun semble ne s'être guère satisfait et va plutôt se concentrer sur l'étude des tableaux de la collection royale. On sait qu'entre 1642 et 1645, Lebrun séjourne à Rome, aux frais d'ailleurs du chancelier Séguier, et qui est devenu le protecteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. En 1946, Lebrun devient peintre ordinaire du roi, 2 ans avant de faire partie des membres fondateurs de l'Académie royale de peinture, l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648, je vous le disais tout à l'heure. Et on va voir une multiplication de commandes royales à partir de 1660. Et voilà, j'ai choisi de vous d'évoquer ici, pour finir ce cours, une de ces commandes royales, ce grand décor mis en place. Il s'agit donc de décors conçus par Charles Lebrun et mis en place dans un nouvel espace architectural qui avait été conçu par l'architecte Jules Hardouin-Mansart après la fin de la guerre de Hollande à Versailles. Il s'agit de la galerie des glaces qui remplace, donc figurée ici au premier étage du plan de Versailles, et qui remplace cette terrasse dans la première configuration du château. Et donc, afin de préparer l'installation du roi dans le palais, et aussi l'idée était de célébrer à travers cette galerie ce qui avait été considéré comme une victoire du roi sur les Hollandais durant cette guerre de Hollande. Alors juste pour rappel, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de la guerre de Hollande? C'est donc des conflits entre 1672 et 1678 qui ont opposé la France et ses alliés, c'est-à-dire l'Angleterre, à la quadruple Alliance, le Saint-Empire, Brandebourg, Espagne et Provinces-Unies. Donc, c'est une terrasse, je vous le disais, qui remplaçait une galerie qui remplaçait la terrasse et qui reliait les deux ailes du bâtiment entre le salon de la guerre et le salon de la paix, ici et ici sur le plan. Et cette galerie, donc vous avez ici à présent à l'image une photo, constitue un double lieu de spectacle. À l'intérieur, de nombreux tableaux étaient issus de l'atelier de Lebrun et qui mettent en valeur un programme allégorique d'une grande complexité qui nécessitait d'ailleurs des titres descriptifs. Vous avez ici donc le tableau dont on va parler avec le titre donc inscrit en dessous, le passage du Rhin. Alors, il s'agit d'un fait historique, Louis XIV qui évite les Pays-Bas espagnols en entrant directement par les Provinces-Unies en passant par le Rhin au gué de Tullius le 12 juin 1672. Et c'est ainsi cette traversée du Rhin par les armées de Louis XIV, alors commandée par Turenne, qui devient le fait du roi et qui franchit le fleuve, un peu comme l'avait fait l'empereur romain, comme l'aurait fait un empereur romain ou un dieu. Et c'est ici, comme toujours, c'est le cas dans la peinture d'histoire, le fait historique devient un fait d'histoire en passant du particulier à l'universel. Et en effet, Louis XIV ici est figuré sous les traits de Jupiter, qu'on peut reconnaître ici à la foudre qu'il tient dans la main, mais il est en armure romaine sur un char de guerre qui associé donc au combat. On a ici à droite, je montre avec ma souris, la figure de la Hollande qui est reconnaissable au lion qui figure aux côtés d'elle. Elle est en train de rendre les armes. On a plusieurs
figures allégoriques, des victoires. Minerve est également présente ici, déesse de la sagesse et de la guerre intelligente. Également, la présence à côté du roi d'Hercule, le dieu de la force virile et brutale, qui menace de sa masse la figure du Rhin, représentée ici par ce personnage. On a aussi en haut, dans les airs, ces personnages de la renommée. Et au-delà de cette dimension allégorique du message, il s'agit de délimiter, de légitimer la victoire française. Et donc Louis XIV, nouveau Jupiter, est conseillé ici par Minerve et inspiré par Hercule. Alliance finalement de la divinité, de l'âme Minerve et du corps. Alors, cette galerie est l'expression par excellence du pouvoir. Au-delà de ce que montre le décor, ce dont on vient de parler à l'instant, il faut surtout voir par son gigantisme et son luxe. Donc, vous avez dans cette galerie donc des tableaux, des stucs dorés, des antiques, des rideaux, lustres, glaces qui glorifient la puissance financière de la monarchie. On voit de cette galerie, on a une vue sur l'immensité des jardins dominés à l'extérieur par le bassin d'Apollon notamment. Et vous avez ici, par le biais aussi de cette galerie dans laquelle on accueillait les ambassadeurs, une démonstration du pouvoir économique de la France, notamment grâce à la réalisation de ces miroirs qu'on voit ici à l'écran par la manufacture des glaces, la manufacture fondée par Colbert en 1665, qui montre finalement la capacité à rivaliser avec les grandes verreries européennes et notamment celle de Venise. Et par le biais de l'iconographie dont je vous ai présenté un des tableaux tout à l'heure, le passage du Rhin, évidemment, il manifeste le pouvoir militaire de Louis XIV. C'est sur cette grande... Thank you.